Et ça m'a tellement pris à cœur et pris la tête que ces derniers temps, bah, réellement, je dormais presque plus. J'avais pas d'appétit là où c'était la tempête, mais réellement, j'avais jamais connu un truc comme ça, quoi. Et c'est fou, en fait, parce que le matin, maintenant, j'allais au travail avec la boule au ventre, j'étais vraiment pas bien, en fait. Et là, je me sens vraiment libéré, en fait, de me dire que bah, maintenant, la seule personne pour qui je travaillerai, bah, ce sera moi. Les ressources que je créerai, bah, elles seront pour moi. Et quand je dis ressources, bah, je parle pas d'argent, je parle de tout ce qu'on crée, en fait, que ce soit des énergies ou quoi que ce soit. En fait, moi, je sais vers le secteur vers lequel je veux me diriger. Et ça me rend heureux, en fait, de me dire que bah, je vais vivre ma vie, en fait, tout simplement, la vie que. Trop contente. Ah ouais, mais clairement, ouais, moi je suis. Foi. Enfin, ouais, moi je suis vraiment super heureux parce que, bon, il n'y a pas tout le monde qui comprend autour de moi, mais enfin, je m'en fous en fait. Mais je sais vraiment que, bah, que là, j'accepte vraiment. En fait, moi j'étais trop enfermé aussi dans des schémas malgré que j'essaye de réfléchir et tout, mais là, je sais vraiment que, bah, que je vais vers ce que je dois aller. Enfin, c'est à l'intérieur, enfin, vous avez tout ça, c'est à l'intérieur et il faut que ça sorte, quoi. Et ouais, je suis vraiment content en fait d'être bah, d'être libéré de ce gros boulet au pied que j'avais en fait, qui était mon travail, parce que je travaillais beaucoup. Hein. Je donnais quoi? Dernièrement, c'était du 50-60 heures par semaine. C'était vraiment intense, quoi. Moi, j'étais dans un secteur en plus où, enfin, moi, je travaillais sur les yachts en fait, sur les moteurs, enfin, sur la mécanique. Donc comme ça, de l'extérieur, on peut se dire ouais, c'est super et tout. Moi, au début, bah, c'est ce que j'avais l'impression en fait, parce qu'on voit des choses que peu de gens voient. Et on voit des belles choses. Moi, j'ai vu des choses que bah, que j'aurais jamais pensé voir dans ma vie. Mais au résultat, enfin, moi, je sentais que c'était pas aligné avec moi-même, quoi. Et puis c'est tout un tas de choses qui est rentré dans ma vie, qui ont fait que bah, j'ai compris que, bah, que c'était juste bah, pas fait pour moi, quoi. Enfin, que c'était plus fait pour moi, du moins. Et je suis content d'avoir ouvert les yeux parce que là, vraiment, je vais pouvoir avoir du temps pour me consacrer à moi. Enfin, quand je dis à moi, c'est pas à ne rien faire, mais c'est vraiment bah, pour faire mes projets et aller faire ce que j'ai envie de faire tout simplement. Et franchement, j'ai envie de dire merci à tout le monde parce que c'est, bah, je sais que c'est un résultat qui est lié bah, à tout ce qu'on fait ensemble, quoi. Et ça fait plaisir parce que vraiment, enfin, faire ce coaching réellement, c'est que ça change ma vie. Moi, c'est franchement, moi là-bas, je me suis inscrit sur ce coaching. Je m'attendais pas à tout ça. Je me disais que c'était pour. Et c'est vrai. Moi, je pensais que je savais pas comment attendre. Je savais qu'il fallait que je le fasse, mais je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Et c'est que ça m'apporte tellement de bonnes choses que je me dis, enfin, que c'est fou. J'aurais jamais pensé que ma vie aurait pu prendre un aussi gros tournant, en fait. Mais je suis très heureux de ça parce que c'est, je sais pas comment l'expliquer. C'est l'évidence même, quoi. Et enfin, voilà, c'est vraiment l'évidence même. Et je rayonne, franchement, là, je suis libéré. Demain, je sais que je vais me lever tôt pour accomplir mes journées. Enfin, je sais que tout va dans le bon sens et vraiment un grand merci à tout le monde parce que c'est grâce à vous. Et ça m'a rempli tellement de joie en fait. Parce que c'était tellement dur. C'était tellement dur et je suis vraiment heureux d'avoir pu me rendre compte de ça parce que sinon je serais passé à côté de ma vie en fait. Ça, je peux pas me le permettre quoi. C'est pas possible. Et franchement, un grand merci à vous parce que c'est grâce à vous tous quoi. Et je sais que là maintenant, je vais vraiment pouvoir faire ce que j'ai envie et ce qui est en moi et que je peux dire et que je dis non à ce dont j'ai pas envie, quoi. Enfin voilà, c'était un peu un gros résumé. Tu sens vraiment le poids qui s'est libéré là en toi? Mais c'est énorme, et même Ouais. niveau mental, plein de blocages Ouais. que j'avais, je sais que c'est balayé. Au fond de moi, c'est toujours ce que j'ai voulu. Et en fait, là, de pouvoir le faire et de l'avoir fait, en fait. Bah, c'est vraiment top en fait. Là, je sais que maintenant, mais vraiment, je me sens libéré parce qu'en fait, j'ai tellement d'idées et de pensées. Mais quand tu es enfermé dans un travail, tu peux pas donner du temps à tout ça. Et moi, il y a toujours une chose que je me suis dit, c'est que je voulais pas subir ma vie. Et là, j'avais l'impression de la subir en fait. Et je me suis dit, bah non, c'est pas possible quoi. Mais c'est fou qu'à la base, on se dise qu'on se dirige vers un programme pour se sentir bien avec la nutrition et tout ça. Et que ça touche tant de choses. Et c'est vraiment magique. Non, mais c'est dingue, en fait, qu'il y ait des gens comme vous, qui aient créé quelque chose comme ça. C'est juste fou, quoi. C'est fou, quoi. Bah, du Mon coup, Dieu. merci, quoi. J'ai quand même mot à dire, c'est ça, quoi. Merci à toi, merci Flo. Putain, tu me fais pleurer et tout. Ah, ça me fait trop plaisir, franchement, de te voir comme ça. Ah, Ouais. c'est Ouais. exceptionnel. Et nous, en tant que, tu vois, en tant que coach, Pierre et moi, c'est vrai, quand il se passe des choses comme ça, et là, en ce moment, bah, t'as vu, hein, dans le groupe, tout le monde a. C'est clair, ça bouge. Il y a eu des déclics dans tous les sens. Ce coaching, il est quand même très fort et très puissant. C'est vrai que.
tu vois, faut avoir le courage, en fait. Pas tout le monde a le courage de venir dans ce coaching parce que j'ai plein de personnes qui viennent pas parce que je pense que inconsciemment derrière il doit y avoir ce côté de dire ouh purée, ça va changger, ça va chambouler ma vie, je suis pas prêt, j'ai pas le courage. Tu vois.